Et yop tout le monde, c'est Delta Dragon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo showcase d'un personnage que j'adore jouer, la Yoritech. Donc on va détailler le personnage, ensuite on va aller le tester en espace de transmission, et ce sera bien pour la démo. Donc Yori est un personnage de type Tech, de catégorie Shinigami Holo, donc double type, donc attention à ce que double faiblesse aussi. Au niveau 200, elle a 1200 d'endurance, 813 d'attaque, 797 de défense, 462 de concentration et 614 de pression spirituelle. Sachant qu'elle a son slot d'attaque, de concentration, de PV et de défense qui sont montés. Elle est tueur holo. Sa capacité spéciale, Cello. L'ancien Cello après s'être transformé en holo, infligeant des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Donc elle est SP 4 sur 5 chez moi. Et son soul trait est un soul trait dégâts des attaques normales. Donc, en stuff, je lui ai mis une canne avec attaque plus 30, un chappie avec attaque plus 30 et un golden chappie avec attaque plus 30. Je l'ai dit dans le sens inverse, mais vous avez compris. Et en link, elle a le Zangetsu, l'Anelia, le Parasol et le Izuru, que je n'ai pas monté au niveau 200. Ce qui lui donne un joli bonus de plus. 1215 de PV, 1589 d'attaque, 407 de défense et 305 de concentration. Donc pour ce qui est de ses compétences, cette Yori finit avec 115% d'attaque normale dévastatrice due à son soul trait. Elle profite de 30% d'attaque sur ses attaques puissantes. Elle profite de 20% de sur sa spé. Elle a 16% de résistance aux dégâts liés aux Zangetsu. Elle résiste au poison à 100%. Elle a attaque normale déchaînée, le petit brise-armure qui fait plaisir, rapidité plus 1, équilibre qui est une très bonne compétence. Et lié aux items et aux personnages, endurance augmentée 66%, attaque augmentée 156%, défense augmentée 66%, concentration augmentée 66%. Donc on va partir tout de suite la tester en espace de transmission. Oh, j'étais en autorun. Donc strong 1, un petit dash vers l'avant. Fort sympathique. La Strong 2, c'est un vortex. J'avais oublié qu'elle avait un vortex, tiens. Donc, on va refaire la petite Strong 1. Hop, un petit dash en avant. Donc, petite Strong 1. Petite relon était au petit dash en avant. Strong 2, le joli vortex. Et Strong 3, un full screen sur tout le terrain. Enfin, sur une grosse partie du terrain, puisque c'est jamais full le terrain. Et auto-combo. Elle a un auto-combo assez large, je trouve. Donc on va pouvoir aller voir les dégâts, sachant que dans cette run il y a des holos. Donc là vous pouvez voir que je fais du 9000. Sur ces combos, hop, elle lâche des jolis 3000 et 2000. Donc là un petit 13000, c'est propre. Hop, un petit 16000 sur le petit holo. Des gros 17000 elle lâche en crit. Après je sais que je l'ai bien stuff. Mais quand même. Hop, attendez, on va voir vite fait. Un one shot, 2 hits à 14 et 15000. Toi tu meurs, hop. Donc là, je sais que la run sera pas une speedrun. Bon, par contre, abuse pas non plus, frérot. Hop, un petit 13000, bien propre, bien comme on les aime. Toi, boum, tu meurs de double 15000. Franchement, elle fait de jolis dégâts. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup cette Yori. Je voulais la drop pendant longtemps, je l'ai jamais eue. Et là, maintenant, je l'ai. Dès que je l'ai eue, elle a passé son T10. Et après, j'ai pas arrêté d'enchaîner et de l'avoir. Ce qui est très sympa, hein, puisque je la voulais. Donc, hop, voilà. En plus, elle a un combo assez rapide, on va dire, en auto-attaque. En plus, c'est un combo de 4 coups, donc ça va, c'est la moyenne des combos. On est déçu quand c'est 3, on est content quand c'est 5, ce qui est rare. Heureusement d'ailleurs, si tout le monde avait des combos de 5, hop, on serait pas dans la merde. Hop, donc là, ils y passent tous. Ah, je vais bientôt y passer aussi, moi, si ça continue. Donc ça, elle one shot même des Arrancars, donc c'est dire la puissance du perso. Hop, toi, tu dégages. Hop, petit vortex pour les attirer tous au milieu. Ah, sauf lui qui a pas envie, visiblement. Alors pour sa spé, on va la mater, hein. Hop. Allez, magnifique ça spé, je l'adore.
Donc attention, il me semble qu'il est catégorie holo lui. Oh là, il s'est pris des 20 000. Alors il me semble pas que son sa spé la fasse transformer. Non bah non, sinon il y aurait eu le combo. J'ai oublié de dire que c'était une attaquante rouge, donc corps à corps. Donc les gars, c'était tout pour le test de Yoritech. Donc j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce les gars, ciao.